regista francese Claude Lelouch ha inaugurato la 38ª edizione del Festival des Films du Monde a Montréal con Salut on t'aime. Ma sentiamo cosa ci ha raccontato in proposito. Bonjour, monsieur Lelouch. Alors, j'ai adoré votre film. Ça, c'est le 44e. Ça m'a rapporté un peu au premier, Un homme et une femme. Est-ce que c'est un peu autobiographique? Vous aussi, vous avez eu 7 enfants de 5 femmes différentes. Alors, ça vous touche de près? Oui, en général, dans les films, je parle de mes observations. J'ai fait 44 films et 44 fois, j'ai essayé de me comporter un peu comme un reporter de la vie. J'aime la vie, vraiment avec passion, malgré tous ses défauts. Je sais qu'il y en a plein de défauts, mais j'aime la vie, je l'observe, et mes films sont le résultat de ces observations. Voilà, c'est ce qu'on aime dans mes films et que d'autres détestent. Il n'y a pas d'intermédiaire entre mes observations et le public. Et c'est vrai que sur ce film, étant donné que j'ai eu la chance d'avoir 7 enfants avec 5 femmes différentes, je me suis dit que c'était une bonne idée de film. C'était une réflexion qui méritait d'être analysée. Et c'est vrai que j'ai eu le sentiment pendant ces 50 ans de cinéma que mon métier avait été plus important que tout le reste. Et je sais que mes enfants et les femmes ont beaucoup souffert de cette passion pour le cinéma. J'ai vécu une grande, grande histoire d'amour avec le cinéma, et cette histoire d'amour, mes proches l'ont plus ou moins mal vécu. J'ai eu le sentiment que j'étais pas un papa comme les autres. J'allais pas chercher mes enfants à l'école, je leur faisais pas faire des devoirs, je les voyais entre deux films, je les voyais entre deux voyages. Et je me suis aperçu que c'était le lot de toutes les grandes personnes médiatiques, de tous les artistes, de tous les gens qui consacrent plus de temps à leur passion, à leur métier, qu'à leur famille. Et on ne se rend pas compte à quel point notre métier peut, quand on l'aime, faire beaucoup de mal à ceux qui nous sont très proches. Et j'ai eu le sentiment, avec mon métier de cinéaste, de tromper ma famille, de tromper mes femmes. C'est vrai que le cinéma a tellement pris de place dans ma vie. Faire un film, ça, on y pense la jour, la nuit, les jours de fête, en vacances. Je veux dire qu'il n'y a pas de. On ne ferme jamais le magasin quand on est un artiste. On ne pense qu'à ça, on ne pense qu'à ça, on ne pense qu'à ça, et les autres voient bien qu'on ne pense qu'à ça. Ce qui fait que quand ils vous parlent de leurs soucis, on est un petit peu égoïste. Donc j'ai voulu, avec ce film, demander un peu pardon à mes enfants. J'ai peut-être un peu trop pensé, comme tous les gens qui ont une passion, à ma gueule. J'ai trop pensé. Il y a une part d'égoïsme qui est terrible chez tous les artistes, que ce soit Johnny Hallyday. Il a passé sa vie sur les routes, sur les scènes du monde entier, à faire plaisir à la terre entière, mais en fait, il fait plaisir à tout le monde, sauf à ses proches. Je veux dire, c'est fou ce que nos proches sont touchés, à quel point ils sont presque sacrifiés. Montrer à quel point notre métier pouvait, dans certains cas, prendre le pas sur tout le reste. Et je pense qu'il y a dans cette salle des journalistes, des gens qui font leur métier avec une telle passion que cette passion a forcément une répercussion sur cette vie privée qui est aussi très importante, essentielle, et surtout l'éducation des enfants. Et c'est vrai qu'un enfant a envie qu'on lui consacre du temps, qu'on s'en occupe. Et donc j'ai effectivement été un papa très contestable. Et c'est le portrait de ce papa contestable que j'ai essayé de mettre en scène dans ce film. Et donc j'ai trouvé que c'était un sujet important de montrer à quel point nos métiers, parce que ce n'est pas simplement les artistes, à quel point nos métiers pouvaient rendre jaloux nos proches, à quel point, d'ailleurs il suffit de voir, la plupart des gens consacrent plus de temps
à leur métier, à leur travail, qu'à leur famille. Après, on s'étonne que les familles sont branlantes, que ça marche pas si bien que ça. Et pourquoi les couples, ça marche pas? C'est parce qu'on s'en occupe pas. C'est parce qu'on s'occupe pas. Voilà, donc voilà le sujet principal du film. Et je vous remercie de m'avoir posé cette question, puisque elle est au cœur même de Salon en Thème. Et c'est vrai que le titre résume très très bien ce que j'ai souvent entendu de la part de mes enfants. J'ai toujours le sentiment qu'ils m'aimaient et me détestaient de la même façon pour les mêmes raisons. Voilà. Je pensais que il fallait un jour qu'on parle de l'importance de nos métiers quand on les aime. Quand on aime un métier, il nous bouffe tout notre temps. Merci. Tout notre temps et tous ces sujets. Merci bien.